Fire Podcast numéro 111. Les 120 jours en Cénacle continuent et la Pentecôte s'approche. Aujourd'hui, Luc 24, 32. Nos cœurs ne brûlaient-ils pas en nous lorsqu'il parlait en chemin, lorsqu'il nous expliquait les Écritures? La parole de Dieu alors est essentielle parce qu'il nous ouvre l'expérience de l'Esprit, donc nous donne le feu missionnaire. Et nous encourage à nous améliorer, à suivre les traces du Christ. Nous ne saurions trop insister sur l'importance de la parole de Dieu. La parole qui nourrit notre foi nous aide à progresser spirituellement. Il contient non seulement des informations, mais plus encore une expérience spirituelle, des sagesses, d'espoir, de paix. La parole divine est un outil précieux pour notre cheminement vers l'amour et l'éternité. Mais que signifie alors allumer, embraser du feu missionnaire? Ça veut dire qu'allume un enthousiasme intérieur qui conduit les gens à partager l'évangile, à témoigner avec amour, avec miséricorde, avec puissance, la puissance du Saint-Esprit. Le feu missionnaire, un feu qui doit être constamment cultivé, nourri. Il faut de la passion pour répandre la parole de Dieu, un feu qui ne s'éteint jamais. Si on garde la parole, si on demeure dans la parole, on peut aussi dire que le feu missionnaire est le plus symbolique qu'on puisse imaginer. Il symbolise l'amour, la charité du Christ et il nous façonne pour donner la lumière aux autres, dans la vie des autres. Et donc, il marque une forte spiritualité dans notre vie. Alors, chers frères et sœurs, nous pouvons conclure que le Saint-Esprit nous apporte le don de la parole de Dieu et la parole de Dieu nous ouvre à l'expérience du Saint-Esprit. Nous pouvons donc répandre cet amour, cette charité dans le monde entier avec passion, avec enthousiasme, dans le feu missionnaire. Et c'est pour cela que nous vous invitons avec Emmaüs.com à nos événements de Fire Days France Lève-toi à Pentecôte 27, 28, 29 mai. Donc, toutes les informations, les orateurs, etc., vous les trouvez avec possibilité d'inscription. Inscrivez-vous sur emmaüs-com.center. Ciao!